Budget de sécurisation électorale, les révélations du secrétaire d'État à la gendarmerie. Je n'ai pas en tête le chiffre exact, mais nous avons bel et bien fait part de nos besoins liés aux élections, a confirmé hier le général Ndiaye Nazaj, secrétaire d'État à la gendarmerie, interrogé sur les 14 milliards d'ariars que les forces de l'ordre auraient demandé à la CENIT comme financement des opérations de sécurisation. Il a rappelé que chaque entité a été tenue de dresser leurs besoins liés aux élections, ce qui a été fait. À chaque période électorale, il y a ce que l'on appelle la police des élections. Des quartiers mobiles seront également formés, a-t-il souligné, et tout cela a été pris en compte dans ce budget. Ces besoins ont été portés à la connaissance de la CENIT et c'est à elle d'en décider par rapport à ses possibilités.